Je m'appelle Pierre Biot. Je suis installé en tant qu'artisan bronzier au pied de la cité médiévale à Carcassonne. Pourquoi j'ai choisi le bronze? C'est surtout pour la netteté visuelle. On arrive à réaliser en bronze des éléments qu'on ne peut pas réaliser en bois. Je veux dire par là, on ne peut pas obtenir en bois la finesse d'un bronze. Tout simplement parce que c'est le matériau qui s'y prête. En fait, on fait souvent ça en tournage. On usine une pièce pendant, je sais pas moi, 5-6 secondes, on arrête le tour, on vérifie justement la côte, on vérifie l'aplat, les angles droits, etc. et on relance. La ciselure, en fait, on a à main gauche un ciselé qui est une petite barre d'acier de 5 mm sur 5 de section. Hein. Fait 10 cm de haut. On le tient dans la main un petit peu comme un stylo. Et avec un marteau main droite, on tape dessus pour imprimer sur le bronze un motif. Donc là, j'ai pris ce qu'on appelle un mat. C'est donc le petit outil possède en son bout un petit grain sablé. Et en tapant sur le bronze, on réimprime ce grain sur le métal. Il y a le poli qui ressort et pour l'œil, ça donne plus de volume aussi. Bon là déjà, faut avoir un œil un peu plus expert, mais les gens en tout cas qui me commandent des pièces ciselées le savent et m'exigent d'ailleurs d'être en rapport avec les styles, c'est-à-dire là on a une encoignure de style Louis XVI ou de style Louis XV ou de style Louis XIV, c'est pas les mêmes grains qu'on utilise pour l'outil quoi. Il y a une façon de faire la ciselure par rapport au style. C'est qu'il y a une connaissance du métier et de l'histoire surtout.